Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une amulette du point d'ammonium pour aller sur mon SRAMTER PVM. Donc là, on a un item. Il y a des soins, on ne sait pas pourquoi. Donc on va pas prendre les soins. Et pour le reste, on va chercher un Nir Perf avec Exo, dommage au sort. Ça peut être une rune transcendance s'il le faut. On a 50 de puits ici. On a le sauté le PO. Bon, je sais pas trop ce qu'on pourra en faire avec aussi peu. On va go pavi, je pense. Ça peut passer avec un peu de bonne volonté. Voilà, la ravie. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 31. Aïe. Il nous faudrait petite rune chat par exemple. Hop. Bon, on peut enlever l'over ou pas? Voilà, allez, pas faux. Moins 1, moins 4, moins 7, moins 10. On va être short, hein. La rafo. Qui ne passe pas. Je vais peut-être faire du double puits, comme j'aime bien faire. On aura peut-être des tentes à 2% de sort. On continue. 41 de puits. Bon, on est encore sur le PO, mais on a des bonnes congruences. Ça peut peut-être faire un truc. La rafo. Ok, le crit rafo, mais très bien. Les esquives, moins 6. Mais attendez, mais c'est une grosse tenta, ça. Moins 10. On a 25. Dommage que j'ai pas eu 5 de plus. Là, j'ai 10 en rab, du coup. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus avec 10 en rab? On doit pouvoir s'amuser avec de l'ini, je pense. Moins 3. Alors, j'ai pas l'habitude de manipuler des over-ini. Mais je crois qu'on peut s'amuser avec des rune pods. Genre comme ça. Ok. Donc là, j'ai 22. Est-ce qu'on mettrait pas de la pavie? Là, j'ai moins 0,5. 21,5, j'ai 6,5 en rab, je peux tenter 2 pavis. Ok, et donc là j'ai une tenta, dommage sort. Si j'ai pas fait de bêtises. Ça passe. Bah écoutez, si on a le PO là-dessus, ce sera bon pour moi. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 50 de puits. La petite ravie, moins 10. Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Une païnie, je pense. Hein. Ok. Reste 40. En vrai, 40. Je peux mettre une païnie ou une rainie. On va tenter rainie. Je voudrais voir ce que ça fait. On a moins 10. Là, il faut que je vire 8,5. On peut faire un dos fixe. Genre un dos feu. Ah, j'aurais. Non, je me suis trompé. J'aurais dû mettre plus. J'aurais dû mettre une rune qui pèse. Bah oui, enfin, une rune qui pèse 6. Bah, c'est marrant ça. Il n'y en a pas. On va mettre une rune vie. Ok, le moins 11 fait un peu bader. Et la pod. Ok. Et il nous reste du coup deux tentats dommage sort. Bon, ça change pas grand chose au final. Deux tentats de sort là-dessus. Une et deux. Ça ne passe pas. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO, mais on casse le PA. On a 6 plus 10 plus 28 plus 6 plus 100 moins 51. On a 99 depuis. Ok. On va mettre. Est-ce qu'on mettrait pas une grosse paré pas là? En mode ballsy. Moins 21. Ok. Tac tac. Moins 5. Moins 9. Oh, c'est pas marrant ça. Moins 20. Moins 6. Moins 21. Eh ben dis donc. On a donc 17. J'ai 2 en rab. Ce que je peux faire, c'est tenter le cri de chat pour gagner une tenta sagesse. C'est mort. Est-ce qu'on a l'ado perso? On n'a pas l'ado perso. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon. Bah écoutez, ça fera le taf, hein. On va pas chercher midi à 14h.
On va mettre le dommage sort là-dessus et on va go next. Et voilà. Bah écoutez, fin de cette petite session forge de magie, c'est un item très facile, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Qu'on aura fait majoritairement au plus PO, du coup on a fini avec un hybride PO-PA. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, si j'essaie bientôt vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Et le mec qui m'a dit que j'ai oublié des dos dans le chat, je vais le massacrer. Bonus, passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un marteau possédé FMO, sur un jet presque near perf, avec moins 6 vitalité, mais quelque chose d'extrêmement soigné sur le reste. C'est pour aller sur un steamer feu PVP. Magnifique.